que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit haul de mes achats que j'ai fait aujourd'hui aux États-Unis. Donc, je suis allée magasiner à plusieurs endroits. Et j'ai fini avec un Dunkin Donut. J'ai pris le Pumpkin Spice Latte. Pour ceux qui me connaissent, of course. Pour le Pumpkin Spice Latte, je donnerais 10 sur 10. C'était excellent. Sinon, tout d'abord, je suis allée au TJ Maxx. Je voulais acheter des vêtements, mais il y avait vraiment pas grand chose. Honnêtement, aujourd'hui, c'était un peu décevant. J'ai pris ce petit... ça. Pour pouvoir organiser mon maquillage, dans le fond, je peux mettre mon maquillage ici, mes pinceaux au milieu. Puis, je peux le faire tourner pour pouvoir prendre ce que j'ai besoin. Parce que présentement, c'est un peu comme éparpillé n'importe comment. Ça va tellement être plus organisé avec ça. Donc, voilà, t'as comme des compartiments comme ça. Je suis trop contente. Je l'aime vraiment. C'était... 7,99$. Ensuite, je suis allée au Ulta Beauty et j'ai pris quelques petits trucs. J'ai pris d'abord le Tanologist Express Tan, la mousse dark. J'en ai mis sur mes bras, puis je l'aime vraiment à date. Ça donne vraiment un effet bronzé, mais comme ça, la mousse elle est blanche, donc c'est ce que j'aime vraiment parce que j'aime pas quand les mousses sont foncées. Ça tache les vêtements, ça tache mes couvertures, comme vous pouvez voir si mon lit est blanc. Je veux pas que mon lit devienne tout brun. Fait que celui-là, j'avais vu sur TikTok qu'apparemment c'est vraiment un self tan que les gens aiment, donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Sinon, quand j'étais allée à Hawaï, je voulais vraiment essayer les Tree Hut. Puis là, je me suis procuré le scrub de chez Tree Hut. Dans le fond, c'est le Ocean Glow que j'ai pris. Il sent tellement bon. Oh my god, ça sent l'océan. Si je pouvais sentir ça, ça me rendrait vraiment heureuse. Donc, puis là, pour être sûre de vraiment encore plus répandre l'odeur, j'ai aussi pris le beurre pour le corps. Donc ici, on a la même odeur, Ocean Glow. Il est hydratant, puis il est fait avec... il y a de l'acide hyaluronique, des micro-algues. Algae vert, help tone and texture. Donc voilà, ces deux-là. C'est tout pour le Ulta Beauty. Ensuite, je suis allée au Bath & Body Works. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté des choses de Bath & Body Works, donc là, j'étais trop contente. Il y avait vraiment beaucoup de rabais en plus. Il n'y a pas autant de rabais. J'ai des Bath & Body Works près de chez moi, mais il n'y a jamais autant de rabais que celui que je suis allée aujourd'hui. Figo! Hey, il est mignon! Nya! Donc, comme je vous ai montré, j'ai pris ces deux produits-là au Ulta Beauty. Puis là, je me suis dit, j'ai un scrub, j'ai un beurre pour le corps. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un savon pour le corps qui sent environ la même chose. Donc, pour être sûre de l'aimer, j'ai pris le mini savon pour le corps At The Beach qui sent pratiquement la même chose. Ouais. Ça sent vraiment comme si on était à la plage. Donc, ça vient comme compléter mon petit kit avec ceux-là. Et j'ai pris aussi le parfum. Comme ça, je peux le mettre en sortant de la douche. Et là, je sens encore plus. Donc là, mon rêve, c'est que quelqu'un me dise que je sens bonne après avoir utilisé tous ces produits. Et voilà. Sinon, ben là, je m'achetais comme, ok, moi, je vais sentir la plage, je vais sentir l'océan, mais il faut que mon appartement aussi sente ça. Ben oui, j'ai pensé à tout. Alors, j'ai pris des petits wallflowers qui sentent le beach blanket et ça sentait tellement bon. Donc, j'ai vraiment hâte que mon appartement sente la plage. C'est tout ce que je veux présentement. Là, je sais qu'on s'en va bientôt vers l'automne et j'adore l'automne. Mais là, en ce moment, c'est encore l'été dans mon cœur. C'est comme le dernier mois d'été. Fait que j'en profite, j'y vais à fond. Et dans le fond, je les ai pris en double, les petits wallflowers, parce qu'ils étaient 50% de rabais. Tout ça, c'était 50%. Les deux petits produits aussi, c'était 50% chacun. C'était comme, lui était 8,95$, celui-là 8,95$, 50%. Oui. Puis comme si c'était pas assez, je me suis aussi pris une chandelle du Bath & Body Works, parce que je les aime tellement. Comme s'il m'en manquait. Je viens de voir qu'elle est brisée. Il lui manque une mèche. Ben c'est pas grave. Elle sent la même chose que tous ces autres produits. Ça sent la plage, la mer. Que dire de plus? Alors mon appartement au complet va sentir le bord de mer. Et ça me rend vraiment heureuse. Sinon, les savons pour les mains étaient 3,25$. Alors j'ai pris ces deux là ici. Vous voyez là, je suis sur le thème de l'automne. J'ai pris le Autumn Drive. Autumn Drive. Ça sent vraiment bon cette odeur là, honnêtement. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, j'en ai pris un plus toute saison. Donc, Champagne Toast. Je pense que c'est une odeur quand même populaire.
Ça sent tellement bon. Ça sent genre girly. Puis là, je me suis dit que j'allais mettre celui-là de mon côté du lavabo, puis celui-là du côté de mon copain. Et ça va être vraiment cute. Donc, pour tous ceux qui vont venir chez moi, vous allez pouvoir vous laver les mains avec des savons. Trop cool. Et c'est tout pour le Bath & Body Works. Mon dernier arrêt était au Target. Et là, vous allez voir, vous allez être un petit peu surpris de ce que je vais vous présenter. J'ai pris des petits Dordables. C'est tellement mignon. C'est comme des petits jouets, ok? Puis tu peux avoir la chance d'en avoir seulement 4, 5 ou 6. Puis ils sont comme squishy. Puis là, je voulais vous montrer ceux que j'avais eu, ok? Donc j'ai eu Pascal, le petit lézard. J'ai eu un petit chat, comme dans les avis au chat. Tourne le château comme ça. Celui-là, le squelette. Je me souviens plus exactement son nom. Pocahontas. Ensuite, j'ai eu Jessie dans Toy Story. Et le cochon aussi dans Toy Story. Puis oui, c'est tout. J'en ai eu 6. Et voilà. Et puis c'est tout. C'était vraiment un tout petit haul de tout ce que je me suis acheté aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé. Puis vous me direz si vous voulez voir plus de hauls comme ça. Puis c'est ça. Alors vous pouvez laisser un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!